Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Ça faisait bien longtemps les tutos, enfin les tutos oui et, et les, les vidéos. Voilà et la et l'intro que vous avez vu normalement devant à moins que je l'ai oublié. Et ben on se retrouve. Au... Pourquoi Là on vient de un petit peu spoiler tuto. Bon de toute façon vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre. C'est un tuto police d'écriture sur. Pixar! Ouais, c'est que je Pixar. Donc, les amis, euh, c'était dans le tuto logo, on vous a dit à 15 pouces bleus, eh ben, euh, on fait ce tuto là, ben voilà, il arrive, il est là. Euh, vous avez explosé, vous en avez fait 17, j'en ai, y avais pas remarqué. Mais au début, c'était vraiment pas beaucoup. Et on, et normalement, Là, on a les 100, 250 abonnés, à moins qu'il n'y ait pas eu encore un abonné en plus. Donc, merci à vous tous. Je crois que j'ai fait le plein. Oui. Et que donc maintenant, on peut aller dire comment avoir une police d'écriture sur Pixart. Alors après, ça va devenir merci. de plus en plus haut. Après, ça va devenir de PS Tous à Pixel Labs. Bon, voilà. En attendant, on fait du débutant. Pour les débutants jusqu'aux experts peut faire comme toi avec euh, OK bon ben ça va rare euh, ben attendez attendez tout d'abord va falloir aller dans le Play Store Play Store ou dans l'App Store enfin on sait pas si c'est sur iOS alors non il faut aller cliquer rare Et là vous et trouvez ouais. l'application euh, et ben vous l'installez et en attendant que vous l'installez et ben on va aller sur Google oui. ou dans votre moteur de recherche. D'accord Sarah, elle est oui. en train de faire aussi en même temps. Je crois qu'elle ne savait pas. Donc, elle est en train de faire en même temps. Mmh. Vous faites rechercher et vous cliquez front.men. Et normalement, il y a un site. Voilà, ce site-là. même.com Et ben, vous y allez et vous recherchez. Vous écrivez Brawl Stars. Et vous recherchez et normalement vous avez Quoi des polices Brawl Stars alors bien sûr euh, on n'a pas alors voilà Brawl Stars font alors il y a deux sortes de polices d'écriture vous avez la police nouga extra black et aussi vous en avez une autre normalement c'est euh, Lilita One euh, donc, en fait, ici vous téléchargez. Normalement, on aurait dû écrire les noms des. Euh, des polices. Euh, ben non, en fait, je crois pas. Donc, maintenant, vous cliquez R. R. Si vous voulez l'accent anglais, hein. Vous enlevez la pub et là, on a la police Noga Extra Blanc. Euh, vous cliquez Download, les amis. Ça veut dire enregistrer, Oui. Puis maintenant, on va revenir, euh, si vous voulez, regarder vous faites... frontman Lilita... One. one. Voilà, c'est la police d'écriture. Sarah, faudrait qu'elle parle, sinon c'est... Mm. Voilà, c'est cette police d'écriture. Ça fait un... aussi Brawl Star. Moi, j'utilise beaucoup plus celle-là pour euh, nos miniatures. Donc, vous faites et Puis maintenant, nous, nous allons aller sur Rare, les amis. Puis Sarah elle va nous dire où ce qu'on y va maintenant. Alors déjà, aider au développeur des rares, vous faites refuser, sinon vous allez payer. Donc moi, spécialement, j'ai pas trop envie de payer. Alors maintenant, vous cliquez sur download. Download. Sarah pas encore l'accent anglais. Je Puis sais. après, vous prenez votre police d'écriture. Moi, regardez, vous, Dès, vous faites lita one Zip, pour Cliquez ici. Puis euh, vous faites. Normalement, si je fais bien ça. Euh, puis après, vous faites parcourir. Normalement. Et vous allez aller dans. On va chercher Pixar. Et on viens, va chercher... Trop vite. Trop vite. Et normalement, vous cliquez OK. Refuser? Vous cliquez encore OK. C'est quoi Et normalement, ça devrait vous mettre. J fais quoi, Alors, le fichier existe déjà. Ben, normalement, vous, ça vous l'a fait. Donc, c'est parfait. C'est oui. juste que moi, et eh ben, euh, je dé on l'a déjà. Donc, voilà. Je plus donc, fait. ça y est, parmi vos polices de PixArt. Maintenant, on va y aller sur PixArt. Et je pense que le tuto est bientôt terminé malheureusement il est passé tellement vite et c'est l'une des plus courtes vidéos les amis l'une des plus courtes euh, nous spécialement on va faire un petit logo donc nous voici après avoir sélectionné bon ben bah, pour le tuto logo vous savez et vous allez cliquer regarder texte vous allez faire par exemple moi c'est pas test et vous faites vous cliquez là et vous allez voir dans mes polices et normalement vous avez vos polices euh, Lily one uh, appelé et donc nous on a ça ça faisait un temps que j'ai pas utilisé pixart hein. donc vous pouvez mettre un coup euh, une couleur ou un, dé ou un, ou un dégradé regardez mais essayez de faire un dégradé un dégradé par rapport au brûleur et sans le fond, essayer de le coloriser aussi. Regardez, test, okay. et vous pouvez aussi baisser l'opacité si vous voulez, mélanger dans écran, multiplier, foncer, éclaircir, tous ajouter, normal, bon ben, et vous pouvez rendre votre texte en mode 3D comme ça. Donc... Attends, je vais faire... Attends. Voilà, normalement c'est bon. Mais euh, si, t'ajoute euh, beaucoup de photos... Voilà. Et vous pouvez plier. Mm -hmm. Alors, plier comme ça, hein. pas euh, comme nous effets fait ai comme pas... ça. Hein. Ça, c'est du n'importe quoi. Hein. Oui, mais... Plier comme ça, genre un tout petit peu, hein, de 1 ou 3, ou si vous voulez. et Et voilà ce que ça vous fait. Et au bout d'un moment, si vous mettez trop de photos, eh ben là, on ne peut plus mettre. Non, mais ça, mmh. elle, Sarah, elle nous parle de l'espace stockage. Non De Pixar Ben oui, mais là, c'est dans l'espace stockage. Alors, comme vous avez vu, sans faire exprès, j'ai débranché mon fil. Bon, ben, c'est pas grave. Il ressort assez vite et il en a 25. Ben, les amis, euh, je pense que, allez, ça va être la fin. De... Bon, ben de ce tuto et à 15 pouces bleus on va vous faire un tuto tuto miniature hein tuto miniature ben, sur Pixart hein toi, tu te toi, tu te toi, tu te alors Sarah elle est en train de faire si une miniature bon bah ben, si ce tuto vous aura plu et vous a aidé alors je vous signale que euh, ce tuto provient euh, d'un youtubeur alors euh, c'est moi qui a fait le montage et tout, mais j'ai été inspiré par Tag YouTube, normalement qui est en description de la chaîne, euh, mais malheureusement, malheureusement, je, il va quitter YouTube et plus faire de vidéos. Pourquoi Ah, Sarah et des trucs. Bon bah s'il si nous entend, et eh ben moi je dis ça vaut pas la peine d'arrêter si on a beaucoup d'abonnés et tout. Donc voilà et en plus euh, arrêtez comme ça, ça fait de la peine aux abonnés. Donc voilà. Si vous avez aimé ce tuto, mettez des pouces bleus et activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo et, et abonnez-vous. Au revoir tout le monde.